Bonjour, Nicolas Lejeune, De Manche Musique. Pourquoi De Manche Musique est au point mort depuis 2 ans? C'est qu'on a essayé de lancer des projets artistiquement très ambitieux. J'adore les glaces avec de boules. Voilà, ça c'est de la merde, ça peut cartonner. Si dans moins de 6 mois, Monsieur Musique n'a pas rempli l'Olympia avec un nouvel artiste, il cédera sa place de directeur. Et pourquoi on fait pas ça? Quoi? Un prêtre. Très bien. Un rabbin. Mazal tov. Et un imam. J'ai une gueule d'imam, moi. Réunis sur scène pour chanter ensemble. 1, 2, 3. Non mais je rigole pas, là. 1, 2, 3. Le groupe coexistait, quelque chose qui vous lie à la communauté juive? Moi c'est Rabbi Jacob. J'ai dormi comme un bébé. Comme ou avec? Oh non. Moi, je vous rappelle que nous sommes dans un pays de culture chrétienne. Judéo-chrétienne. Ah non, chrétienne. Les rois de France n'étaient pas juifs. C'est dommage, hein, parce que vaut mieux avoir la coupée plutôt que la tête. Oh, bah c'est malin, ça. Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Vous êtes sur scène dans 5 minutes. Attention, on est coupé. Oh, j'ai fait les plus beaux glands de toutes les hautes scènes. Je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, file-lui ça. Je vais pas filer de la cocaïne à un rabbin. Bonsoir, la France. Mais tu peux me dire à quoi ça sert d'être des vedettes si on doit rester bloqué à l'hôtel comme des cons? Mais respecte-le, ça. Tu vois pas que c'est un homme d'église? Et c'est avec ce boys band que vous comptez combler nos actionnaires? Tu sais, Jésus a dit un jour... Je m'en fous de ce qu'il a dit. C'est terminé. Salam, shalom. Au revoir, nous, c'est au revoir. C'est ça, casse-toi. Oui. J'ai un peu l'impression qu'on a cassé l'ambiance. Et qui c'est qui va la remettre? C'est tonton Samy.